Guide complet des défis de la semaine 8 de Fortnite. Visitez la cascade congelée et la retraite reposante. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements. Ici, vous allez devoir visiter la cascade congelée et ici, vous allez devoir visiter la retraite reposante. Donc rendez-vous à ces deux emplacements. Dès que vous serez rendu à ces deux emplacements, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Accélérer sur des rails de glisse. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à Mega City, donc juste ici. Et là vous avez des rails de glisse. Donc vous sautez sur la rail de glisse. Et là ce que vous allez faire c'est tout simplement sprinter. Voilà, comme ceci. Comme ça, ça vous fera prendre de la vitesse et vous aurez accéléré sur les rails de glisse. Dès que vous aurez parcouru 200 mètres sur un rail de glisse en sprintant, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Éliminer des adversaires avec le pistolet mitrailleur réintroduit. Donc le pistolet mitrailleur réintroduit, normalement je pense que c'est celui-ci. Donc voilà, après il y a le pistolet mitrailleur à chargeur double. Alors je pense pas que ce soit celui-là, mais vous pouvez essayer avec les deux de toute façon. Moi je vais le faire avec celui-ci. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'éliminer 3 adversaires. Donc avec le pistolet mitrailleur, vous cherchez des adversaires. Donc là je vais en chercher un. Voilà, là il y en a un. Ensuite, vous l'éliminez et dès que vous aurez éliminé 3 adversaires avec le pistolet mitrailleur réintroduit, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Subir des dégâts d'un adversaire et survivre pendant 30 secondes. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement subir des dégâts d'un adversaire comme je viens de faire. Et vous allez tout simplement devoir survivre pendant 30 secondes après. Donc vous prenez un véhicule et vous vous cassez et vous survivez 30 secondes. Dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Marquer des joueurs adverses ou des personnages. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir le renfort trace sanglante. Et ensuite, il vous faudra soit un fusil de précision ou un fusil sniper pour pouvoir tirer sur les adversaires et les marquer. Donc regardez, là j'active mon renfort. Ici j'ai un fusil d'assaut à viseur rouge. Je ne sais pas si ça va marcher. Normalement, je pense que oui, donc je vais tirer dessus. Donc non, ça ne fonctionne pas, ça ne le marque pas. Donc il nous faut soit un fusil tireur d'élite Cobra ou soit un fusil sniper. Donc je vais chercher après l'une de ces deux armes pour vous montrer que ça fonctionne bien. Regardez, ici justement, je tombe sur un fusil tireur d'élite Cobra. Donc je le prends, ça c'est un fusil de précision. Je vise l'adversaire, je le touche. Hein. Enfin, il faut que je tire dessus d'abord. Voilà, je le touche et regardez, là ça marque l'adversaire. Donc vous allez devoir faire ça sur 5 adversaires ou alors sur les personnages de Fortnite. Si vous trouvez un personnage, non, logiquement ça devrait fonctionner. Et ça fonctionne aussi avec les bots. Donc là normalement il y a 3 bots. Regardez, je vais leur tirer dessus. 1, 2, 3. Et voilà, dès que vous aurez marqué 5 adversaires ou 5 personnages, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCM.